sur La Rochelle, sur la première partie de La Rochelle, qui est effectivement une réunion d'élus, d'élus municipaux, d'élus départementaux, d'élus régionaux, la tonalité très forte, très marquée, était une tonalité offensive et de refus de la réforme telle qu'elle se présente, avec le sentiment d'annette, qu'il s'agit des communes, des départements ou des régions ou des communautés, que ce texte était un retour en arrière sur la décentralisation manifeste, avec une volonté de recentralisation, d'affaiblissement des collectivités territoriales. Alors quand on parle des collectivités territoriales, nos concitoyens peuvent se dire, après tout, et c'était pour le discours, ce sont les collectivités territoriales qui assurent aujourd'hui pour l'essentiel la solidarité, les équipements, les infrastructures. Autrement dit, l'affaiblissement des collectivités territoriales, ce sont les services publics, les services publics, les équipements, les collectivités en France assurent 75% des investissements publics. Autrement dit, aujourd'hui, une détermination très forte, se battre contre ce projet de réforme qui est retour sur 30 ans de décentralisation et recentralisation, c'est-à-dire une démarche atypique par rapport à toutes celles qui se développent en Europe aujourd'hui.